tenter à l'époque une expérience inédite en Afrique et dans le monde arabe. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous célébrons cet anniversaire. Voyez ce reportage de Rachid Hillaoui et Hicham Chigdel sur un récit de Tariq Boukhatn. À l'époque, le défi était risqué. 29 ans après le lancement de 2M, le pari s'est avéré payant. Des milliers d'heures de programme plus tard, ils sont nombreux à se remémorer de cette époque. Je me souviens que celui qui avait 2M à la maison, ce n'était pas n'importe qui. Il regardait la meilleure chaîne télé. Par le passé, il fallait avoir un décodeur, sinon on devait se contenter d'une seule heure de diffusion par jour. Ça a créé un impact sur la mentalité des gens. Ça a créé un impact. Et c'était bien. C'était un très bon départ. 2M concentre la plus forte audience du pays avec 34% de parts de marché. Devenu un groupe média doté d'une radio et d'un portail d'information, la marque a élargi son empreinte grâce à l'application My2M. Depuis que j'ai téléchargé l'application, cela me permet d'avoir toutes les informations et de pouvoir consulter tous les contenus. Même en vacances, en train ou en voiture, je peux suivre les programmes de la chaîne. Plus besoin d'être à la maison devant sa télé. Le virage technologique pris par le groupe 2M lui permet de renforcer son audience auprès des nouvelles générations au Maroc et à l'étranger. De quoi fêter ce 29e anniversaire en musique.